Après la rencontre du chef de l'État avec le collectif des syndicats de la santé, le samedi 11 novembre dernier, à la présidence de la République, les agents grévistes ont eu droit ce mardi à une séance de restitution à la Bourse du Travail à Cotonou de la part du collectif des syndicats de la santé du Sud et du Centre. Une séance qui vise deux objectifs. Premier, restituer aux travailleurs point par point tout ce qui a été dit avec le chef de l'État. Deuxièmement, écouter la base par rapport à la poursuite ou non des mouvements de grève. Nous devons retourner à la base et faire le point. Il revient à la base de nous dire ce que vous avez ramené permet d'aller dans tel ou tel autre sens. Et c'est cela qui a fait que jusqu'à ce matin, il y a beaucoup de tergiversations, beaucoup de gens qui pensent qu'on n'est pas béninois bontain, ou bien que le fait d'avoir rencontré le chef de l'État n'a pas été un élément suffisant pour nous. Des gens qui n'ont pas compris dramatisent. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire c'est comme ça que nous fonctionnons. Ça peut ne pas être le cas parfois. Dans le passé, nous avons décidé de respecter les règles du jeu. Et pour cela, désormais, il faut que les journalistes comprennent, même si on dépasse un talon et qu'on nous envoie être reçu par Macron ou bien, je ne sais pas, par Trump, on reviendra dire aux travailleurs ce qu'on nous a dit avant de décider de quoi que ce soit. Du soutien, ils en ont eu, en témoignant ce bref et riche passage de Kassam Mampo, le secrétaire général de la CSTB. Bravo pour avoir mobilisé parti salon à négocier avec vous. Après environ deux heures d'échange avec le BAZ, il ressort ce qui suit. Donc nous avons tout entendu. Donc l'objectif, c'est de viser, de savoir d'abord où est le protocole. Qu'est-ce qu'il y a dedans et signer. Et après ça, nous pouvons vous tenir informés de tout ce qu'il y a. Nous allons écouter aussi, avoir l'information des autres départements dans la journée sûrement. Ils vont finir tout à l'heure, nous allons les appeler. Et nous allons revenir et on va voir ce qu'il y a exactement. Le secteur de la santé étant un domaine sensible, il est impératif pour gouvernement et syndicats de trouver un terrain d'entente concernant la signature du protocole d'accord, une signature qui, selon les propos du porte-parole du collectif, sera effective les heures à venir.